Il pleut, il ne pleut plus et parfois il pleut fort pendant très longtemps. Pas de panique, c'est ainsi durant la saison des pluies. Une situation due à la rencontre de deux alizés sur les îles de la Société des Tuamotu. Météo France prévoit un temps très nuageux à couvert avec des passages d'averses et d'accalmie. En basse couche, nous avons une masse d'air chaud et humide. En altitude, nous avons une instabilité qui crée justement des conditions à la formation de nuages d'orage. D'où la vigilance orage actuellement sur la société et sur une petite partie ouest des Tuamotu. Résultat à Mahina, de la terre a glissé de cet endroit. Mais les travailleurs de la mairie sont vite intervenus pour fluidifier la circulation hier soir. Mis à part ça, avec toute la pluie que nous avons eue ces derniers temps, et on a observé quand même qu'au niveau des deux rivières qui ont été consolidées, hein, tout l'enrochement a bien tenu. Donc il n'y a pas eu de gros dégâts importants qui ont été signalés. La deuxième phase d'enrochement va démarrer bientôt. Elle concerne surtout les rivières de Tuaourou et de Ahun. Il y a eu une phase de recensement, donc nos équipes ont été dépêchées sur place avec les agents de l'équipement pour essayer d'identifier la deuxième phase des travaux, donc les zones les plus propices à ce que ça soit enroché, de manière à mettre toutes les habitations en sécurité. L'alerte jaune pourrait évoluer en alerte orange, donc attention aux activités sensibles aux risques météorologiques, ceux surtout liés à la mer.